Je vous le disais déjà, un grave accident de circulation sur la Nationale 1, précisément à Oyane 1, fait plusieurs morts et des blessés graves. En attendant le bilan définitif de cet énième drame, c'est un camion semi-remorque qui a fait une sortie de route et a atterri dans une église. Le constat de Jean de Dieu Gomes et Jean-Pierre Moussouani. Un camion en provenance de Libreville dérape et termine sa course folle dans une maison. Bilan. Il a dérapé depuis la droite. Il a dérapé depuis la droite. Il est parti de là-bas. Il n'y avait aucun véhicule. Il n'y avait rien. Il était seul. Il est parti de là-bas. Pourquoi il a traversé la route. Il était en vitesse. Il était en vitesse. Ça, vraiment, ça, il n'y a rien à dire. On ne peut pas cacher cela. Il était vraiment en vitesse. Oui. Il est parti de là-bas. Il a traversé le côté droit pour le côté gauche. Toutes les victimes là sortaient de l'église. Et ils sont à proximité de chez eux. En sortant de l'église, quand ils traversent avec la panique, ils n'ont pas pu échapper. Ils sont rentrés sous le choc. Nous avons sorti des corps sous le camion là. Ouais. Combien vous avez fait sortir? On a sorti 4 corps. Il y a des blessés graves, très graves. Oui. Ils sont déjà évacués. Ils sont évacués. Ils sont évacués. Ouais. Bon, pour le chauffeur. C'était combien que vous avez évacué là? Deux. On a évacué deux. Oui. Deux dames. Deux dames. Un bébé. Deux dames et un bébé. Un bébé, oui. Mais pour la mère du bébé, elle semble être quand même. Mais elle est beaucoup blessée. Mais sauf qu'elle a réussi à porter son bébé. Ici, la désolation, la tristesse et la peur se lisaient sur les visages des habitants, mais également la colère. On a interdit les grimiers, ils n'ont pas roulé les week-ends. Mais pourquoi pas les portes-charges? C'est pas dit que les enfants étaient à la route. On sortit de l'église. La fille là, elle s'est préparée à partir. J'ai pris l'argent, j'ai dit bon, tu vas partir comme ça. Elle a pris la petite fille. Tous les autres étaient pour préparer. La voiture vient tuer les hommes là, c'est ici à la maison. C'est pas dit que c'est sur la route. S'agissant du chauffeur du camion, nous avons cherché à savoir en vain si il est sorti indemne. Selon les témoignages recueillis sur place, il est porté disparu.